Greetings, beloved. A warm welcome to the Faith and Victory family and to visitors alike. Have your pen and pad at hand and get ready to receive a word from God. Please subscribe, like, share, and comment. We welcome any suggestions. If you have some, please send them to our technical team in the DMs and private messages. God bless you. Il peut ajouter, and he can multiply. Et il peut multiplier. I like things to be added to me. J'aime que les choses me soient ajoutées. But you know, multiplication is better than just adding. Mais vous savez, la multiplication est meilleure et mieux que l'ajout. And our God is able to multiply. Et Dieu est capable de multiplier. Nevertheless, he works by his principles. Néanmoins, il marche avec des principes. And if you walk according to his principles, et si vous marchez avec ses principes, you'll see multiplication. Vous verrez la multiplication in every area of your life. Dans tous les domaines de votre vie. God won't follow you in your rules or your principles. Dieu ne va pas te suivre dans tes règles et tes principes à toi. But his principles. Mais ses principes à lui. And sometimes, even many times. Et parfois et même souvent. What God is asking us to do sometimes it doesn't make sense. Ce que Dieu nous demande de faire, parfois ça n'a pas de sens. But sometimes, not sometimes, every time. Mais chaque fois, you hear from God. Que vous entendez la voix de Dieu. Even if it doesn't make sense to même you. Même si ça n'a pas de sens à vos yeux. Just choose to do it. Décide de le faire seulement. See wonders. Et vous verrez des merveilles. Remember, souvenez-vous, this is the God who asked to Moses. C'est Dieu qui a demandé à Moïse to lead the people of Israel, de conduire Israël to the promised land, vers la terre promise, and the way that he chose. Et le chemin, la route qu'il a choisi, he was going to the Red Sea. Les amener tout droit vers la mer Rouge, with no boat. Sans bateau. That didn't make any sense. Ça n'avait aucun sens. Put yourself. Alors, mettez-vous. You are being led by Moses. À la place de ces gens qui sont conduits par Moïse. And he tells you, let that go. Et il vous dit, partons. There is a promised land. Il y a une terre promise. A land that flows with milk and honey. Un pays où coule le lait et le miel. Number one, it doesn't make sense. Premièrement, ça n'a pas de sens. The land is flowing with milk and honey. Un pays où coule le lait et le miel. Moses, what do you mean? Moses, qu'est-ce que tu veux dire? Moïse, qu'est-ce que tu veux dire? But they left. Mais ils sont quand même partis. After more than 400 years of slavery. Après plus de 400 ans d'esclavage. I don't know what kind of slavery you've been into. Je ne sais pas quel genre d'esclavage par lequel tu es passé. And I don't know for how long. Et je ne sais pas pendant combien de temps. When Jesus say yes, nobody can say no. Quand Jésus-Christ approuve, personne ne peut désapprouver. When he says now, quand il dit maintenant, no one can stop you. Personne ne peut vous arrêter. And they obeyed. Et ils ont obéi. They followed Moses. Et ils ont suivi Moïse. And he took the way, et il a pris le chemin, leading them, qui le menait, to a Red Sea, droit vers la mer Rouge, not a Red River, pas la rivière Rouge, Red Sea, la mer Rouge, with no boat, sans bateau, it didn't make sense, ça n'avait pas de sens. That God has not changed, c'est Dieu là, il n'a pas changé. You as a child of God. Vous en tant qu'enfant de Dieu. You want to see the hand of God. Vous voulez voir la main de Dieu? Obey his instructions. Obéissez à ses instructions. His principles. À ses principes. And you'll see wonders. Et vous verrez des merveilles. When they saw the Red Sea. Quand ils ont vu la mer Rouge. They almost killed Moses. Ils ont failli tuer Moïse. What is this? C'est quoi ça? Why did you lead us this way? Pourquoi nous as-tu mené vers ce chemin? And Moses said. Et Moïse a dit. Keep quiet. Tenez-vous calme. The Egyptians that you see today, parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, you see them. Vous ne les verrez plus. You'll see them no more. Vous ne les reverrez plus. Egyptians were there. Les Égyptiens étaient là.
A mighty army. Une armée puissante. With horses. Avec des chevaux. Soldiers on chariots. Avec des soldats sur des chars. And here is Moses. Et nous voilà avec Moïse. With no weapon. Avec Moïse sans armes. With no military experience. Sans expérience militaire. Telling them, qui leur dit, the Egyptians that you see today, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, see them no more. Vous ne les reverrez plus jamais. I don't know what you are seeing today. Je ne sais pas ce que tu vois aujourd'hui. Everyone sitting today under the sound of my voice, chaque personne qui est sous le son de ma voix aujourd'hui, has some kind of Egyptian. A une sorte d'Égyptien. It might be. Your health. Ça peut être ta santé. It might be your finances. Ça peut être tes finances. It might be your children. Ça pourrait être tes enfants. It might be your marriage. Ça pourrait être ton mariage. A strong demon is opposing you. Un démon géant qui s'oppose. The God I'm preaching. Mais le Dieu que je prêche. Is the God of Moses. Est le Dieu de Moïse. Moses was a man of faith. Moïse était un homme de foi. Who could tell the people that this Egyptian that you see? Qui pouvait dire aux gens les Égyptiens que vous voyez? You'll see them no more. Vous ne les reverrez plus jamais. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. This Egyptian that you see today. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui. I don't know them. You know them. Je ne les connais pas, mais tu les connais. You know them when you're sleeping. You know them. Quand tu dors, tu peux les voir. Tu les connais. When you're checking your bank statement, you see them. Quand tu prends ton compte bancaire, ton relevé bancaire, tu peux voir. You see. Tu peux les voir. You know. Tu les connais. You know when you take your blood pressure, you see them. Quand tu prends la tension, tu peux les voir. You went to the doctor, you know what he told you. Tu es allé chez le docteur, tu sais ce qu'il t'a dit. That these are your Egyptians. Tout ça, ce sont in des the name Égyptiens. Of Jesus, dans le nom de Jésus. These Egyptians that you see today, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. You see them no vous more. Ne les reverrez plus jamais. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. It didn't make any sense. Ça n'avait pas de sens. When they were crying, quand ils pleuraient, and Moses lifted up his eyes to God. Et Moïse lève ses yeux vers Dieu. What do I do now? Que dois-je faire maintenant, and God told Moses, et Dieu dit à Moïse, what do you have in your hand? Qu'as-tu entre tes mains? And Moses said, I have a stick. Et Moïse dit, j'ai un bâton. And God said, et Dieu dit, lift it up upon the sea. Lève ton bâton sur la mer. It didn't make sense. Et ça n'avait pas de sens. Just this stick. Juste ce bâton. We need a boat. Nous avons besoin d'un bâton. Or release thunder. Ou bien des tonnerres et des over éclairs. Over Pharaoh. Sur Pharaon. To kill them. Pour les tuer. But nevertheless. Néanmoins. He obeyed. Il a obéi. And wow. Et tout d'un coup. Wow. Red Sea opened. La mer rouge s'est ouverte. It didn't make sense. Ça n'avait pas de sens. Not any sense. Ça n'avait pas de sens. But when Moses chose to obey. Mais Moïse a choisi d'obéir. The Red Sea was open. Quand il a obéi, la mer rouge s'est ouverte. And they crossed the Red Sea. Et ils ont traversé la mer rouge. On foot and on by foot and on dry ground. À pied ground. Et à sec. By faith. Par la foi, you shall cross. Tu traverseras. There is another side to your story. Il y a une autre facette à ton histoire. You have a story. Tu as une histoire. You are living a story right now. Tu vis une histoire en ce moment. Let me tell you. Mais laisse-moi te dire. That there is another side. Il y a un autre côté, une autre face. To your story. À ton histoire. There is another side to your story. Il y a un autre côté à ton histoire. And that side is better than this side. Et l'autre côté est meilleur et mieux que ce côté. God has not yet said the last word about you. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur toi. The devil doesn't have the last word upon your life. Le diable n'a pas le dernier mot sur ta vie. But your God. Mais ton Dieu. And when they crossed, et quand ils ont traversé, God said to Moses, Dieu dit à Moïse, lift up you. And Pharaoh, Pharaon d'abord, saw them crossing. Les a vus traverser. He said, I can do it. Il a dit, je peux aussi le faire. Me too. Je veux aussi entrer.
And he came in. Et il les a suivis. When the last soldier, quand les derniers soldats of Pharaoh, de Pharaon, was in the sea, est entré dans la mer, when the first one, quand le premier, was not yet over, n'était pas encore sorti. Lift up your stick. Lève ton bâton. Lift up your rod. Lève ton bâton. And the water closed down. Et les eaux se sont renfermées. Over Pharaoh. Sur Pharaon. Exactly as Moses said. Exactement comme Moïse l'avait dit avant. You'll see them no more. Vous ne les reverrez plus jamais. They died. Ils sont tous morts. And Miriam. Et Miriam. And other people. Et les autres. They took tambourines. Ils ont pris des tambourines. They began to sing a new song. Ils ont commencé à chanter un nouveau cantique. I told you. Je vous avais dit. That I will have my tambourine. Que j'aurai mon tambourin. Because I know. Parce que je connais. That this year. Que cette année. I will sing for my God. Je sais que je chanterai pour mon Dieu. A new song. Un nouveau cantique. Somebody in the house today. Il y a certains dans la maison aujourd'hui. Prepare your tambourine. Préparez vos tambourins. For you will rejoice. Parce que vous allez vous réjouir. With your tambourine. Avec vos tambourins. Because of what God is about to do. À cause de ce que Dieu s'apprête in your life. Dans vos vies. You're going to the other side. Vous allez traverser de l'autre you côté. You are going to the other side. Vous irez de l'autre côté. No Pharaoh. Pas de Pharaon. No Red Sea. Pas de mer rouge. No demon. Pas de démon. No devil. Pas de diable. Will be able. Seront capables. To stop you. De vous arrêter. Shout, I'm crossing. Crie, je traverse. I'm crossing. Je traverse. To the other side. Vers l'autre côté. Give a good hand to Jesus. Acclamons pour Jésus. That was not me. Ça, c'était pas moi. I don't know if you understand what I mean. J'espère that que tu was comprends. Not to me. Ça, c'était pas moi. Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 9, Pastor P. Luke chapter 9, from 12 to 17. Luke 9, de 12 à 17. When the day began to wear away, the 12 came and said to him, send the multitude away, that they may go into the surrounding towns and country and lodge and get provisions, for we are in a deserted place here. But he said to them, you give them something to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy food for all these people. For there were about 5,000 men. Then he said to his disciples, make them sit down in groups of 50. And they did so and made them all sit down. Then he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed and broke them and gave them to the disciples to set before the multitude. So they all ate and were filled, and 12 baskets of the leftover fragments were taken by them. Amen. Amen. And we do know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Et nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. That same Jesus. Ce même Jésus. He's the same. Est le même. That time. Et comme il était dans le temps. Today. Il est le même aujourd'hui. And forever. Et éternellement. How many people did he feed? Combien de personnes a-t-il nourri? Good. 5,000. How many people? 5,000. Plus de 5,000. Don't say 5,000, right? People. Don't say 5,000 people. Ne dites pas 5,000 personnes. It was more than 5,000. C'était plus de 5,000 personnes. Why? Pourquoi? Because in the Jewish culture, parce que dans la culture juive, when they are counting the population, dans la tradition juive, quand ils comptent la population, they are counting them by families. Et ils les comptent par famille. Now how do we count by families? Alors comment on compte par famille? We counting men. On compte les hommes.
Because the man, parce que l'homme, is the head of a family. Il est le chef de la famille. They count men. On compte les hommes. Not boys. Pas les garçons. Not children. Pas les enfants. Now, when they counted, they've counted men. Quand on compte les hommes, 5,000 men. 5,000 hommes. Now assume that every man had a wife. Alors, on suppose que chaque homme a une femme. That make how many people? Ça 10, fait combien 000. De personnes? 10,000 personnes. Now, maintenant, suppose that every couple had two children. Et assumons que chaque personne, chaque couple a deux enfants. At least, au moins. That makes how many? Ça fait combien? 20,000. 20,000 people. 20,000 personnes. When we read verse 12, alors quand nous lisons le verset 12, we see that Jesus preached that message. Nous avons vu que Jésus a prêché and ce message. He went overboard. He went over time. Et il a dépassé le temps. He went over time. Il a dépassé le temps. He was just preaching. Et il ne faisait que prêcher. It was like the story of as I'm preaching, seek first the kingdom. C'était comme la série de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. And I wanted to preach this series in one day. C'est comme si je voulais prêcher cette série en un jour. Jesus was going on and on and on. Et Jésus prêchait et il prêchait et il prêchait. How do I know that? Comment est-ce que je le sais? Read verse 12. Lisez verset 12. When the day began to wear away. What is the meaning of that? Comme le jour commençait à baisser, ça veut dire quoi? It was getting dark. It was in the evening. Depuis qu'il avait commencé. Since the morning. When the day began to wear away. Comme le jour commençait à baisser. Jesus was still talking. Et Jésus ne faisait que prêcher. And the disciples. Et les disciples went to him to tell him sont allés lui dire that Lord, Seigneur, this message is very good. Le message que tu prêches, il est très puissant. C'est un bon message. Wow, this is powerful. Non, c'est puissant. But, mais pardon, papa. Not us. Pas nous. They were caring about. Nous voulons que tu continues, mais people are hungry. Les gens ont faim. Like they were caring more about people. Comme I si, believe that it was them. Comme si ils s'inquiétaient plus des gens. Je crois que c'est eux qui avaient faim. Because I don't see anyone saying, Rabbi, we are hungry. Parce que je ne vois nulle part quelqu'un dans la foule dire, Seigneur, Rabbi, nous avons faim. But the disciples. Mais les disciples. They went to say, okay, this message is very powerful. Dit, Seigneur, ton message est bon, hein, il est très puissant. Wow, wow, wow. Wow, quelle onction. But the people now. Ah, mais les gens ont faim. And guess what Jesus told them? Et devinez ce que Jésus dit. Feed them yourself. Il dit, donnez-leur à manger, vous-même. Give them food. You. Donnez-leur à manger. It doesn't make sense. Ça n'a pas de sens. Alléluia. And they went. The one who came to Jesus went to his colleagues. Et celui qui est allé vers Jésus rentre vers ses collègues. In the pastoral board. Dans le boat pastoral. Do you know what he told me? Est-ce que vous savez ce qu'il m'a dit? He's telling me. Il me dit que that we nous must feed them. Devons les nourrir. 20,000 personnes. Hallelujah. Amen. Then they found. Ils ont trouvé 5 loaves and 2 fish. 5 pains. Et deux poissons. And they took it to Jesus. Et ils amènent no, cette they didn't take it. Ils n'ont pas amené vers Jésus. They took it. Ils ont pris d'abord la nourriture. And they told him, Rabbi, ils disent, Seigneur, we have here ici nous avons just 5 loaves, 5 pains and 2 fish. Et deux poissons. And Jesus says, Jésus dit, bring them to me. Apportez-les-moi. Now you are Peter. Mais toi tu as peur. And you are hungry. Toi tu es Pierre et tu as faim. And you found. Tu as faim et par hasard. 5 loaves. Tu ramasses 5 and pains. And this Muruti is saying. Et ce pasteur dit. Bring it to me.
Apportez-le-moi. What do you think? What goes on in your mind? Qu'est-ce qui traverse ta pensée? You want to eat himself? Vraiment, il veut manger seul, vraiment. It didn't make sense. Ça n'avait pas de sens. But when they obeyed, mais quand ils ont obéi, they gave it to Jesus. Ils ont donné à Jésus. He took it in his hand. Il a pris entre ses mains. He lifted up his eyes to heaven. Il a levé ses yeux vers le ciel. And blessed it. Et il a béni cette nourriture. Then he gave back to them. Et il leur a rendu cette nourriture. He said, go and okay, feed people. Et nourrissez les gens. It was still five loaves. C'était toujours cinq pains. And still two fish. Et deux poissons. Feed them. Allez les nourrir. Amen. And then, when they obey, quand ils ont obéi, they went to the first guy. Ils sont allés vers la première personne. He took one loaf, il a pris, I don't know, maybe two, un pain ou peut-être deux pains, and one fish, et un poisson. And they went to the next one. Ils sont allés à la prochaine personne qui suivait. He took, il prend, and there was still five, et il y avait toujours cinq pains. And two. Et and they were going on, and they fed everyone. And the Bible says that all ate, and they were full. Ils ont nourri tout le monde. And they had 12 baskets. Ils étaient tous rassasiés, et il y avait 12 paniers de reste. Leftovers. De reste. God works by His principles. Dieu marche par ses principes. Now, for a better understanding of the counting. Pour une meilleure compréhension. In the book of Matthew, chapter 14, verse 21, dans Matthieu 14, 21. Now those who had eaten were, those who had eaten were about 5,000 men, mm, besides women and children. Pour une meilleure compréhension, pour avoir une idée du nombre de gens qui étaient là. Matthieu 14, 21 dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Am I making any sense when I said? Yes, yes, yes. Est-ce que ça mène à du sens? Those who had eaten, ça a un sens, ceux qui avaient mangé, there were 5,000 men, étaient 5000 hommes, besides, sans compter, women and the children, les femmes et les enfants. And everyone ate. Et tout le monde a mangé. Full. Et tout le monde était rassasié. Now, principle number one. Premier principe. It can't multiply. Ça ne va pas être multiplié. Unless it is blessed. À moins que c'est béni. He took it. Il a pris. Lift up his eyes to heaven. Il a levé ses yeux vers le ciel. And blessed it. Et il a béni. Now it was blessed. Maintenant, c'était béni. It cannot multiply. Ça ne va pas se multiplier. Unless first. À moins que premièrement. It is blessed. Ça ne soit béni. Your finances, tes finances, cannot multiply, ne vont pas se multiplier, unless it is blessed, à moins qu'il ne soit béni. Now how can it be blessed? Alors comment est-ce que ça sera béni? Not in your hand, pas entre tes mains, but in the hand of Jesus, mais dans les mains de Jésus. Bring it to me, apporte-le-moi. They brought it. Ils apportent. It didn't make sense. Ça n'avait pas de sens. But they brought it anyway. Mais ils ont apporté quand même. I don't know what they were thinking. Je ne sais pas ce qu'ils pensaient. When you have your finances, quand tu as tes finances, take the first portion. Prends le premier morceau. Tithing and offering does not make any sense to some believers somewhere. Pour certains croyants, la dîme et les offrandes n'ont pas de sens. Pour certains croyants, mais pas ceux de notre église. In other churches, vers somewhere, d'autres églises, quelque part dans le monde. Tithing, la dîme. And offering, les offrandes. And special offering, les offrandes spéciales. Does not make
any sense. N'ont aucun sens. Just like as it was, et c'était de la même sorte. With this bread, c'était pareil avec ce pain. It was so little. C'était si peu. And Jesus said, "Bring it first here." Mais Jésus dit, apportez-le-moi. Only when it was in the hand of Jesus. C'est seulement quand ça arrive dans le main de Jésus. And then he blessed it. Et qu'il a béni. It was blessed. C'était d'abord béni. Then it was given back to them. Après, on leur a rendu. And multiplication began. C'est là que la multiplication a commencé. Amen. Amen. Your finances, tes finances, will not increase, will not multiply, ne vont pas se multiplier, until you understand this principle. Jusqu'à ce que tu aies compris ce principe. If you are too stingy to understand this, si tu es si avare pour comprendre ce principe, it won't increase, it won't multiply. Tes finances ne se multiplieront pas. It will remain the same. Not even the same, it will decrease. Ce sera la même chose, ou bien ça va même diminuer. When you are paying your tithe, quand tu payes ta dîme, you are not doing any favor to God. Tu ne fais pas à Dieu une faveur. You are not giving. Tu ne donnes pas. You are returning. Tu rends. What is his? Tu remets ce qui lui appartient. You are returning to God. Tu remets à Dieu. What belongs to him. Ce qui lui appartient. That's why. C'est pourquoi. When you don't return. Quand tu ne remets pas à Dieu. You are robbing. Tu es en train de lui voler. Can I have your cell phone? Puis-je avoir ton cellulaire, ton appareil? The smart one. It's yours. Ce téléphone t'appartient. I take it. Je le prends. I use it. Je l'utilise. If I don't return it to you, si je ne te le rends pas, I've robbed you. Je t'ai volé. It's not mine. Ce n'est pas if mon I téléphone. Keep it, si je le garde, I'm a thief. Je suis un voleur. But when I return, mais quand je vais te le rendre, is it a favor? Est-ce que c'est une faveur? Why? Pourquoi? It belongs to me. C'est ton téléphone, je te le rends. Tithe, tenth, le dixième, belongs to God. Appartient à Dieu. That's why he said in Malachi chapter 3 verse 8. C'est pourquoi dans Malachie 3, 8, il dit, you are robbing me. Vous me volez. And you said, "In what have you robbed? Have we robbed you?" Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? In tithe, dans les dîmes, and offerings, et dans les offrandes. Will a man rob God? Est-ce qu'un homme peut-il voler Dieu? Have robbed me. Mais vous m'avez volé. But you say, "In what have we robbed you?" Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? In tithe, dans les dîmes, and offering, dans les offrandes. Try me in this and you'll see. If I won't open for you the windows of heaven and pour down blessings to you in such extent that you won't have enough room to store. Maintenant, essayez-moi, mettez-moi à l'épreuve de la sorte et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Try me. Mettez-moi à l'épreuve. By returning to me. En me rendant. By stop robbing me. En arrêtant de me voler. And your finances will multiply. Et vos finances multiplieront. Only what is blessed. Et ce n'est que ce qui est béni. Can multiply. Qui pourra se multiplier. How does it being blessed? Comment est-ce que c'est béni? You can't bless it yourself. Tu ne vas pas le bénir toi-même. You can't have your salary and then I bless you. No. Tu ne peux pas avoir ta dîme, oh j'ai béni ma dîme. No. Non. Bring it to me. Apporte-la à moi. As it was with the bread. Comme c'était avec le it pain. It didn't make sense. Ça n'avait pas de sens. But they obeyed. Mais ils ont obéi. Only when they obeyed. Après avoir obéi. He blessed. Il a béni. And only when he blessed. Et quand il a béni. They went with it. Ils sont partis avec ça. No, no, no. He didn't multiply. Non, il n'a pas multiplié. He blessed. Il a seulement béni. Now, what is blessed? Alors, ce qui est béni. Can, that is principle number two. Deuxième principe. What is blessed? Ce qui est béni cannot
multiply ne peut pas se multiplier until it's given away. Jusqu'à ce que c'est distribué. It was blessed. Ça a été béni in the hand of Jesus. Dans les mains de Jésus. It was blessed. C'était béni. But it was still five loaves and the two fish. Mais c'était toujours cinq pains et deux poissons. It didn't multiply. Ça n'a pas été but multiplié. It was blessed. Mais c'était béni déjà. But when they began giving away, ils ont commencé à donner. It started being multiplying. Ça commençait à se multiplier. The same principle stand for you and me. Le même principe est valable pour vous et moi. What does it mean for you and me? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? It, you bring your tithe. Vous apportez vos dîmes. And it's blessed. Et la dîme est bénie. Now what is giving away? Et ça veut dire quoi donner? Many will stop by paying tithe. Plusieurs vont s'arrêter à payer leur dîme. Giving away, mais donner, is whatever you give above. C'est tout ce que tu donnes au-delà. Your tithing, de ta dîme. He said, il dit, you're robbing me. Vous me volez. In tithe, dans les dîmes. And offering, et dans les offrandes. You have paid your tithe. Tu as payé ta dîme. Above that, au-dessus, you give your offering. Tu donnes ton offrande. And your special offering. Et ton offrande spéciale. I will give away some envelopes today. Aujourd'hui, je vais distribuer des enveloppes. But before I give away the envelopes, mais avant de donner les enveloppes, I want people to understand what is the meaning. Que les gens comprennent c'est quoi la signification. And the benefit et les bienfaits of doing what I'm asking you to do. De faire ce que je vous demande de faire. Are we together, people? Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? And when in tithing, dans les dîmes, God is testing your heart. Dieu est en train de tester vos cœurs. Men look at the appearance. Et les gens regardent à l'apparence. But God looks at your heart. Mais Dieu regarde au cœur. He's testing your heart. Il est en train de tester vos cœurs. He wants to see where is your heart. Il veut voir où sont vos cœurs. He gave the garden of Eden. Il a donné le jardin d'Eden. To Adam and Eve. À Adam et Ève. And he said, "You can eat all fruit." Et il dit manger de tous les fruits. But keep one. Mais gardez un. From that tree, don't touch. That one is mine. À cet arbre-là, ne touchez pas. Where everything that you have, tout ce que tu as, was given to you by God. T'a été donné par Dieu. But in whatever He gave you, mais dans tout ce qu'il t'a donné, He want, il veut something, quelque chose. There is a portion, il y a une partie, in everything you have, dans tout ce que tu as, that is reserved to God. Il y a une part qui est réservée à Dieu. When you eat what belongs to God, quand tu manges ce qui revient à Dieu, there is a curse. Il y a une malédiction. It says you are cursed. Il dit vous êtes maudit. With the curse. D'une malédiction, frappé d'une malédiction. Why? Because you have robbed me. Pourquoi? Parce que vous m'avez volé. Adam and Eve. Adam et Eve, we're living in the garden of abundance. Ils vivaient dans le jardin de l'abondance. They could eat every kind of fruit. Ils pouvaient manger tous les fruits. But the day they took what was supposed to be reserved, set apart for God, mais le jour qu'ils ont mangé ce qui était réservé à Dieu, they became naked. Ils étaient nus. That's still happening. La même chose arrive. What belongs to God is God's. Ce qui appartient à Dieu appartient à Dieu. When you eat it, there is a curse upon you. Quand tu le manges, il y a une malédiction sur toi. It is a blessing once it's in the hand of God. C'est une bénédiction entre les mains de Dieu. It will bring blessing in your life. Ça apportera une bénédiction dans ta once vie. Once you take it for you, mais une fois que tu prends et tu t'appropries la part du Seigneur, there is a curse upon you. Il y a une malédiction sur toi. They took the tree. Ils ont pris l'arbre. That's it. God said it's mine. Dont le Seigneur avait dit, ça m'appartient. They ate. Ils ont mangé. They were naked. Ils se sont retrouvés nus. And they were cast out of the garden. Jetés hors du jardin. From that day. À partir de ce jour-là. God said get out. Dieu dit dehors. You don't want God to kick you out of what you have already. Est-ce que vous voulez que Dieu vous chasse de ce que vous avez déjà? He's testing your heart. Il est en train de tester vos cœurs. I can't afford to lose everything because of
being stingy even toward God. Je ne peux pas me permettre le luxe de perdre tout ce que j'ai parce que je l'ai privé à Dieu. No ways. Non. No matter what I'm going through. Quelle que soit la situation que je traverse. Every soon that I have money in my hand. Chaque fois que j'ai de l'argent entre mes mains. Step number one. Première étape. Tithe. La dîme. Before I can start using my money. Avant que je ne commence à dépenser cet that argent-là. Is honoring God. C'est ça, honorer Dieu. When you start spending money, quand tu commences à dépenser de l'argent, left and right, à gauche et à droite, before giving to God, avant d'en avoir donné à Dieu sa part, whatever you're giving left, tout ce que tu donnes à gauche, that is first, c'est la première chose. While God is supposed to be first, pendant que Dieu est supposé être la première personne. And then after spending, et après avoir dépensé, and you come and say, okay, this is for God. Le reste là qui reste, tu dis bon ça, ok ça je donne à Dieu. What place are you giving to God? Quelle place donnes-tu à Dieu? He is the Alpha and the Omega. Il est l'alpha et l'oméga. The first. Le premier. And the last. Et le dernier. You give him every time you give the first. Chaque fois que vous donnez la première part. Even himself, God is giving us example. Même Dieu lui-même, il nous a donné l'exemple. He had how many sons? Il avait combien de fils? John chapter 3:16 says. Jean 3:16, la Bible dit. God so loved the world. Car Dieu a tant aimé. That he gave. Le monde qu'il a his donné. His only. Son fils. Begotten son. Unique. But after giving the one he had, mais après avoir donné son fils unique qu'il now avait, he had you and me, maintenant il vous a eu vous, c'est moi, and you, et vous, and you, and you, and you, and you, and you, et vous, et vous, and in America, in Congo, in Somalia, in Ghana, in Nigeria, all over the world, partout dans le monde, au Congo, he has many sons. Il y a plusieurs fils. Because he gave, parce qu'il a donné, the only big one he had, le seul qu'il avait. He promised Abraham that he will be father of many nations. Il a promis à Abraham qu'il serait père d'une multitude. But he gave him Isaac. Mais il lui a donné Isaac seulement. And then he said, give me Isaac. Et après il dit, ok, donne-moi Isaac. The only one you have. Le seul que tu as. And he, God added and said, the one you love. Et Dieu a ajouté, celui que tu aimes. The one you love so much. Celui que tu aimes. Offer him unto me. Offre-le-moi. And Abraham obeyed. Et Abraham a obéi. And God said, now I know. Et Dieu dit, maintenant je that sais you fear me. Que tu me crains. From that time, à partir de ce jour-là, every Jew you see, chaque Juif que tu vois, in the world, dans le monde, is a son of Abraham, est fils d'Abraham. Not only that, pas seulement ça. Those who are in Christ, ceux qui sont en Christ, are sons of Abraham, sont fils d'Abraham. Because he gave, parce qu'il a donné. The one he had. Celui qu'il avait. He didn't say God. Il n'a pas dit Dieu. Let me keep Isaac. When I have five children, I'll give one of them. Laisse-moi garder Isaac. Quand j'aurai cinq enfants, je vais choisir un à t'offrir. I have only Isaac. Je n'ai que Isaac, Seigneur. Ishmael was gone, remember? Ishmael n'était plus là. Il était déjà parti. With Agar. Avec Agar, sa maman. Kicked out by Sarah. Chassé par Sarah. Amen. Now he had only Isaac. Il n'avait que Isaac. And God said, Dieu l'appelle. Kill him for me. Il dit, offrez-le-moi en holocauste. Your tithe. Ta dîme. God is testing your heart. Dieu est en train de tester ton cœur. To see where is your heart. Pour voir où est ton cœur. God gave you. Dieu t'a donné. What you have. Ce que tu as. You have something. Don't say I don't have. I have nothing. You have something. Tu as quelque chose. Ne dis pas oh je n'ai rien. Non, tu as quelque chose. Everything you are. Tout ce que tu es. And everything you have. Et tout ce que tu as. Had been given to you. T'a été donné. By God. Par Dieu. Now you are arguing. Maintenant vous faites une discussion. To give him. Pour lui donner.
One. Un. Out of ten. Sur dix. And some will argue. Et certains vont discuter. Oh, that is Old Testament. That is Old Covenant. Oh, mais ça c'est l'Ancien Testament, c'est l'ancienne alliance. When Abraham gave, quand Abraham a donné, he paid tithe. Il a payé sa dîme. In the book of Genesis chapter 14. Dans Genèse 14. Pastor P. Verse 12 to 24. They also took Lot, Abraham's brother's son, who dwelt in Sodom, and his goods. Then one who had escaped came and told Abraham the Hebrew, for he dwelt by the terebinth trees of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Anah. And they were allies with Abraham. Now when Abraham heard that his brother was taken captive, he armed his 318 trained servants who were born in his own house and went in pursuit as far as Dan. He divided his forces against them by night, and he and his servants attacked them and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. So he brought back all the goods and also brought back his brother Lot and his goods, as well as the woman and the people. Mm. And the king of Sodom went to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley. When he's coming from the plunder, the Bible says he took all the goods. How many goods? All. And when he's coming from the battle, he meet which king? King of? Of Sodom. Okay, carry on. And the king of Sodom went out to meet him at the valley of Shaveh, that is the king's valley, after his return from the defeat of Chedorlaomer and the kings who were with him. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Like what? Bread and wine? Holy communion. Okay. He was the priest of God Most High. Prince of God Most High. And he blessed him and said, Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tithe of all. The tithe of how many? All. Amen. Amen. You may be seated. Vous pouvez reprendre votre place. Abraham was coming from the battle. Abraham revient de la bataille. Amen. Amen. Brother Alex, I don't know what you're doing, but you're distracting. And he had a plunder. Et il avait un butin. And he met the king of Sodom. Et il a rencontré le roi de Sodome. When he had his good. Et il avait ses biens. And we do know that Sodom was not a good place. Et nous savons que Sodome n'était pas un bon endroit. It was evil. C'était un endroit that mauvais. That king was an evil king. Et le roi était mauvais. And then he met Abraham with his plunder. Et il rencontre Abraham avec son butin. He met first the king of Sodom. So Abraham rencontre d'abord le roi de Sodome. And he didn't talk to him. Et il lui a pas parlé. And he went. Mais il a continué. And he met Melchizedek. Et puis il rencontre Melchizedek. 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 A man without father. Un homme sans père. Without mother. Sans mère. Without beginning. Sans commencement, without hand, ni fin. King of Salem, le roi de Salem, mean prince of peace, le prince de paix, was Jesus himself. C'était Jésus lui-même. No father, no mother. Pas de père, pas de mère. And he didn't stop by the king of Sodom. Il s'est pas arrêté chez le roi when de Sodome. When you coming from the fight, quand tu rentres d'un combat, with your plunder in your hand, avec ton butin, you meet first, tu vas rencontrer the king of Sodom, le roi de Sodome. Don't stop by him. Ne t'arrête pas chez when lui. You have your salary, quand tu as son when butin, you have your money, quand tu as ton argent, you want to meet first tu God, rencontrer Dieu d'abord, the king of Sodom, et tu vas rencontrer le roi de Sodome. Il va venir vers toi. We remind you, il va te rappeler. That remember.
N'oublie pas. There is a sale. Il y a at Woolworth. Il y a une vente spéciale à Woolworth. The king of Sodom. Le roi de Sodome. Will remind you. Va about the pair of shoes. La solde. That you saw. Les souliers. In that shop. Dans le magasin. That is the king of Sodom. Le roi de Sodome. Once you have money. Quand tu as l'argent. You will meet the king of Sodom. Tu vas rencontrer le roi de Sodome. First. D'abord. But don't listen to him. Mais ne l'écoute pas. He didn't stop. Il ne s'est pas arrêté. He went. Il est parti. And met the king Melchizedek. Il a rencontré Melchizedek. King of Salem. Roi de Salem. Remember Jerusalem. Jérusalem. City of peace. Ville de paix. King of peace. Le prince de paix. Jesus is the prince of peace. Jésus est le prince de paix. He met Melchizedek. Il rencontre Melchizedek. And Melchizedek. Et Melchizedek. Blessed him. L'a béni. He brought bread and wine. Il a porté du pain et and du they vin. Took holy communion. Et ils ont pris la sainte covenant. Une alliance. With God. Avec Dieu. And then. Et après cela. After being blessed. Après by Melchizedek. Était béni par Melchizedek. He paid him. Il lui a payé. The tithe sa of all. De tout. Coming from the plunder. Venant du combat. When you're doing business. Quand tu fais des affaires. Business is a battle. Ah, les affaires c'est un combat. You don't know how many people are fighting you. Tu ne sais pas combien te combattent. The devil is fighting you. Le diable te combat. But when you win that, say, I win that market, that deal. D'ailleurs, on dit, j'ai gagné ce marché. Yes, I won the deal. Tu as remporté. I won the deal. Tu as remporté, tu as gagné le contrat. If you say, le marché. I won the deal. Quand tu dis, j'ai gagné le I marché. I won that contract. J'ai gagné ce contrat. That means you can't win. Ça veut dire, tu peux pas gagner. If there was no fight. Il n'y avait pas de combat. There was fight. Il y avait un combat. And you won the deal. Et tu as gagné. You won the contract. Le marché. That is a victory. C'est une victoire. And the victory is coming. La victoire vient. From Jesus. De Jésus. How dare you? Et pourquoi tu te permets to resist? De résister. Paying him the tithe. À payer la dîme. He's the one who gave the victory. C'est lui qui t'a donné la victoire. The more you get, and even at workplace. Et même au travail là. It's a war. C'est un combat. You don't know who wants that position. Tu ne sais pas qui te combat pour avoir ta position. You still have that job? Tu as encore ce travail là. How many people are looking for that position or that job? Combien de personnes veulent avoir le travail que tu as? But God be with you, who can be against you? Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Honor him. Il faut l'honorer. With the first fruit. Avec les prémices. First. Les prémices. Him. D'abord lui. And then. Et après. After. Après. Paying tithe, savoir payer la dîme, to Melchizedek, à Melchizedek, he was blessed. Il a été béni. Don't say, ne dis pas, it was the old covenant. Oh non, ça c'est l'ancien. In the old covenant, mais dans l'ancienne alliance. Oh, it was the law. Oh, c'était la loi. The law was given to Moses. La loi a été donnée à Moïse. The law came by Moses. La loi est venue avec Moïse. Through Moses. À travers Moïse. Now, maintenant, who was born first? Qui était né? Abraham. Oh, Moses. C'était Abraham ou bien Moïse? Moses. Moïse est venu avant. This story. Alors cette histoire of Abraham and Melchizedek. D'Abraham et Melchizedek. Is happening 400 years arrive before Moses. 400 ans. Abraham était né avant Moïse, mais cette histoire arrive avant Moïse. That means ça veut dire it was not in the law. Ce n'était pas dans la loi. It was divine principle. C'était un principe divin. It was divine principle. C'était un principe divin. Oh, it was in the old covenant. Oh, c'est l'Ancien Testament. Oh, it was in the law. C'est la loi. Now, in the law, mais dans la loi, it is written, il est écrit, you shall not commit adultery. Tu ne commettras pas d'adultère. That is old covenant. C'est l'ancienne alliance, n'est-ce pas? Old covenant. Ancienne alliance. You shall not kill. Tu ne tueras pas. You shall not steal. Tu ne voleras pas. You shall not commit adultery. Tu ne commettras pas d'adultère. But now you and me, bon, maintenant nous là, we are not under the law. Nous sommes sous la grâce. Let's go. Allons-y. Are you committing adultery? Est-ce que tu commets l'adultère? But you are in the new covenant. Tu es dans la nouvelle alliance.
Are you stealing? Est-ce que tu voles? Are you killing? Est-ce que tu tues? You're still obeying. Ah, tu obéis, hein? Something that was in the law. À quelque chose qui est dans la loi. But when it comes to tithing, mais quand ça concerne la dîme, problème. Les problèmes commencent, mambo. Non, l'ancienne alliance. Blah, blah. Maintenant, nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Si quelqu'un vous dit ça, he's been inspired by the devil. Il est inspiré par le diable. Mammon. Mammon. Our God is a God of multiplication. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. In the old, dans l'ancienne, in the new, et dans la nouvelle, he's still multiplying. Alliance, il continue à multiplier. Will multiply. Il multiplie. I'm telling you, je vous le dis. He's still multiplying. Il continue à multiplier. The problem with people, le problème avec les gens, some don't want to abide, certains ne veulent pas obéir to the principles of God. Les principes de Dieu. It can't multiply. Ça ne va pas être multiplié. Unless it is blessed. À moins que c'est béni. Step number one, it needs to be blessed. Première étape, la chose doit être bénie. Amen. And then, still, et après cela, unless it is what has been blessed, ce qui a été béni is given away, then he will start multiplying. Ce qui est béni doit être donné et après elle s'est multipliée. And it is blessed. Elle est bénie. When you give the first, quand tu donnes la première portion, the first portion, la première portion to God, à Dieu. In the book of 1 Kings chapter 4 verse 42. 1 Roi 4. 42. 1 Roi 4. To 44. We see that God is the same yesterday, today and forever. 2 Kings chapter 4. 2 Rois plutôt. 2 Kings 2 Rois 4. Chapter 4, verse 42 to 44. 42 à 44. Then a man came from Baal Shalisha and brought the man of God bread of the first fruits. He brought the man of God bread of the first fruits. The first, not the last, not the middle, the first fruit. And carry on. 22 loaves of barley bread and newly ripened grain in his knapsack. 22 loaves. Yes. 20 loaves. 20 loaves of barley. Okay. Carry and on. Newly ripened grain in his knapsack. And he said, "Give it to the people that they may eat." But his servant said, "What? Shall I set this before 100 men?" He said again, "How many men?" 100 men. How many loaves? 20. Mm. Good. He said again, "Give it to the people that they may eat. For thus says the Lord, they shall eat and have some left over." So he set it before them, and they ate and had some left over, according to the word of the Lord. Hallelujah. Un homme arriva de Baal Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu. À qui? 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je te donner à 100 personnes, Bayama? Mais Élisée dit, donne à ces gens et qu'ils mangent. Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. Il mit alors le pain devant eux et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. This man had 20 loaves. Cet homme avait 20 pains. And the problem, there were hundreds of people to be fed. Mais le problème, c'est qu'il y avait 100 personnes à nourrir. He didn't go and distribute to these people. They were hungry. Il n'est pas allé distribuer. Ces gens avaient faim. He brought the 20 loaves to the man of God. Il a apporté ses 20 pains à l'homme de Dieu. And then the man of God said, "Now give it." L'homme de Dieu a dit, OK, maintenant tu peux servir. As man of God, en tant qu'homme de Dieu, now give it away. Tu m'as donné, maintenant tu peux donner aux autres. There were 100 people. 100 personnes. They shall eat, ils mangeront, and they shall have leftovers. Et il y en aura le reste.
And 100 people. Et 100 personnes. They ate. Ils ont mangé. They were full. Ils étaient rassasiés. And they had leftovers. Et il y avait le reste. 20 loaves of bread. De 20 pains d'orge. That this is just to show you. Pour vous montrer. That God. Que Dieu. In the old covenant. Dans l'ancienne alliance. Is God in the new covenant. Il est le même dans la nouvelle alliance. Put this. Principles into practice. Mettez ces principes en œuvre. And he shall rebuke for your sakes the devourer. Et Dieu va menacer celui qui dévore. Why the devil is devouring your finances? Pourquoi est-ce que le diable est en train de dévorer tes finances? Where is God? Où est Dieu? A brother came to me. Un frère est venu me voir. Telling me his story. He had Hey family, we hope you enjoyed today's service and were truly blessed by it. Don't forget to like, to subscribe and to share the social media pages at Faith and Victory SA. We'll see you again soon.